Les fans, c'est moi Prince Trunks aujourd'hui. Vidéo react! Oui, vidéo react! Encore! Oui, aujourd'hui, on va react dans le live de Xelius du dernier chapitre Kakumai. Alors, oui, j'ai poussé il y a une heure plus tard parce que c'est des chapitres qu'on a déjà vus, que j'ai déjà commenté. On va pas revenir là-dessus. Donc, je me suis arrêté à l'endroit où il y a le chapitre qui est sorti hier. Donc vu que j'étais pas dans le live parce que parce que chez moi c'était déjà minuit, donc voilà, donc moi j'ai sommeil, j'ai besoin de me lever le tôt pour aller en cours, donc j'étais pas dans le live. Et aussi j'ai dit que j'allais pas être dans le live parce que j'ai pas envie de voir les Saiyans se font défoncer comme des merdes. Bref, donc allons, vas-y, voilà, on va react la partie où le dernier chapitre est sorti. Voilà. Par contre, s'il y aura des réactions abusées, je vais dire j'aurai mon mot à dire. Voilà. C'est bon, allez. Mika, es-tu date? Vas-y, Delpha. Bonsoir, Dominique. Yo, hello. Et j'espère que tu vas regarder cette vidéo, hein, Zélius. Enfin, si tu regardes, hein. Enfin, je sais pas si ce sera une vidéo partie, mais bon. Voulez du hardcore? Oui, mais pas à ce point de hardcore. Regarde comment il l'a tué. C'est Gohan. Non, c'est Kyabe. Ah bah si, si c'est Gohan, là, je vais chez Poisson. Hein. Comment ça, Gohan? Lâchez notre Gohan. Oui, Gohan qui s'est fait défoncer comme une merde. Non, je rigole, je rigole. Gênant, mais oui, Mais du hardcore. Ouais, c'est. regarde comment il est. Mais il saoule, il s'en prend à tout le monde. Bah, ton avis, pourquoi? Parce que c'est une merde. À Macron, c'est une merde. Ils combattent que des faibles, hein. Voilà. Ils combattent que des faibles, à Macron. Enfin, Macron, hein. À Macron, il combat que des faibles. Alors oui, il a combattu Vegeta Ultra Instinct et tout ce que tu veux. Mais à ce jour-là, je comprends toujours pas la puissance de Vegeta Ultra Instinct. Va falloir m'expliquer comment ça se. Si Vegeta était plus fort que lui, comment ça se fait qu'il lui a pas fait des gros dégâts. Pff, à ce niveau-là, je comprends toujours pas. Et bref. Il enlève carrément le cœur à Cap, mais il est gênant lui, tuez-le, 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 il est saoulant. Bah, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'il devient chiant. Macron, je vous ai dit qu'il devient chiant. Pourquoi? Parce que c'est une merde. Regarde, il lâche pas à faire. Et Vegeta, vas-y, ton ultra instinct qui a servi à rien. Mais oui, frérot! Non, l'ultra instinct qui sert à rien. Il a 10 francs en plus. Ah, je suis mort. Non, allez, non, tu te. Non, je rigole, je rigole. Mais frère, j'avais dit qu'il était éclaté, mais j'étais l'ultra instinct. Bonsoir Emmanuel. Non, je pense qu'il plaisante, mais en vrai, il est éclaté, le végétal transtin. Hein. Il est éclaté. À ma couille de chien. Tu veux savoir pourquoi il est chiant? Bah parce que c'est une merde. Et il combat que des adversaires moins forts. Pour combattre quelqu'un le plus fort que lui, enfin forcément, qui est même niveau que lui, il a besoin d'une stratégie. Alors que Vegeta Ultra Instinct, il pue la merde. Bon, ça veut dire qu'à à Macron, il pue la merde aussi. Mais bon, allez, on va rien dire. Ah là là, Bah, le cœur regarde. plus la faute dans la gorge, c'est mon idée de base. De toute façon, il a juste sublimé. Ah oui, sublimé, carrément. Sublimé, ouais, c'est méga sublimé là. Si c'est pas sublimé, là il a chié dessus, hein. Il a chié sur Mais faut t'attraper, toi. Kaba. C'est comme une merde, je suis mort, comme de l'anime. Ah, la fin de Kaba, il se fait défoncer. Moi, quand j'ai vu la cage, j'ai rigolé. Hein. Je me suis dit, putain, mais t'es sérieux. Darkose. Même Black Freezer n'aurait pas osé. Mais Black Freezer, vas-y, lui. Mais Après. Black Freezer n'aurait pas osé. Si je veux personne différent. T'inquiète, Piccolo va sauver Gohan. Mais Piccolo, j'ai trop hâte de le voir. Le dessin, là, la couverture avec Piccolo et tout, j'ai trop kiffé. Elle est trop belle. Et dire que ce genre d'ennemi est sûrement là où le. Mais oui, mais t'as vu?
comparé à ce qui se prépare. Il s'est pris un combo faux planté dans le cul, plus torse transpercé, plus que... Ouais, mais non, mais c'est un ouf. Regardez-le avec son masque, là. Parce que c'est une merde. Par contre, son design, il est stylé, hein. Non, il est pas stylé du tout. Non, faut être franc. Il a un masque... Frérot, stylé, pas stylé, c'est une merde, hein. Stylé, mais pas stylé, même s'il est stylé, c'est une merde. Enfin, actuellement, c'est une merde, hein, Macron. Voilà, stylé, pas stylé, je m'en fous. Ah, c'est que mon avis, hein. Mais factuellement, c'est une merde. Donc, voilà. Ça se voit, lui, s'il est animé, il est ultra rapide. Imaginez, lui, il lance des attaques comme ça avec ses chaînes et tout, le bruit que ça fait, on dirait, c'est trop stylé. Par contre, Vegeta en Blue Evolution, bon. C'est quoi la performance du Migaté de Vegeta? 0 sur 10, franchement. Hein. Tout ça pour finir avec le pied. Bah voilà, voilà! Voilà, il dit les termes. De l'adversaire sur ta tête. Bref, Vegeta, faut mieux faire, franchement. Mais même, Darkos aussi, mais t'aimes pas Vegeta ou c'est quoi ton problème? Déjà qu'il se fait massacrer dans DB, pareil dans DBS, là vous lui faites pareil. Je sais pas, il y a un peu de... C'était ouf. Bah, voilà, quand je dis que Vegeta Ultra Instinct pue la merde, personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Et voilà. Il faut que Zeus dise qu'il pue la merde. Pour que tout le monde soit d'accord. Non, je rigole. Mais voilà, il pue la merde, Vegeta Ultra Instinct. C'est factuel, il tape même pas fort. Là, il fait saigner un marron, mais un Macron, il est toujours debout. Hein. C'est très chelou. Et un Macron qui a besoin d'une stratégie pour battre Vegeta Ultra Instinct, alors qu'il est méga facile à battre. Donc, enfin, ultra facile à battre. Dans le sens, si le mec, il doit réfléchir pour faire une action. À ce moment-là, n'importe qui peut le bait. Voilà. J'adore. Ton kabil suffit de transpercer le cœur. Ah bah... C'est quoi Dragon Ball Kakume? C'est un fan manga absolument incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est un chier. Non, je déconne, c'est un bon fan manga, en vrai l'histoire est bien, je l'ai déjà dit, l'histoire est bien, mais le seul problème que j'ai avec ce fan manga là, c'est la puissance est à chier, voilà, c'est la puissance pue la merde, et c'est ça ce qui me fait plus énerver avec ce fan manga là, c'est que, alors, je dis pas qu'il pue la merde à 100%, hein. il y a des combats que j'ai plutôt apprécié, hein. le premier chapitre, en termes de puissance c'était cool, mais le reste, c'est nul à chier, Gohan qui fait saigner Jiren, dit ta mère, hein. Gohan qui fait saigner Jiren, là je suis pas d'accord, là c'est n'importe quoi, là tu chies sur Jiren. je rigole, mais c'est n'importe quoi, en vrai on va pas se mytho, c'est n'importe quoi. Alors moi-même j'aurais pas fait ça, enfin n'importe qui n'aurait pas fait ça en fait. En fait le problème c'est que Gohan ne peut pas faire saigner Jiren, parce que tu respectes pas l'équilibre de puissance. Parce que qui a fait saigner Jiren au tournoi du pouvoir? Absolument personne. C'était que Goku Ultra Instinct qui pouvait faire ça. Personne d'autre. Mais en fait, le problème que j'ai avec ce combat-là, c'est que en fait, tu peux être n'importe qui. Tu peux être comme Gohan. Tu peux dépasser tes limites. Tu peux blesser Jiren. C'est ça, d'après ce que j'ai compris. Le message était ça. Hein. Peu importe ton niveau, si t'es une merde ou pas, ben, tu peux blesser Jiren. Alors que non, ça fonctionne pas comme ça. Jiren... C'est un monstre de puissance. Ça veut pas dire que tu as envie de lui faire mal, que tu le fais mal, non. Là, j'étais pas d'accord. Là, je dis, c'est n'importe quoi. Après, on verra. Hein, parce que là, franchement, là, je comprends pas la puissance de Swan Manga, en fait. À part le premier chapitre que j'ai trouvé cool en termes de puissance, mais après, je n'ai rien bidé. Voilà. Si quelqu'un a compris, venez m'expliquer. Parce que moi, j'ai pas compris. Hein. Voilà. Parce que c'est normal de pas comprendre. Vous allez pas venir m'insulter parce que je comprends rien. Venez m'éclaircir les choses. S'il vous plaît, gentiment. Merci. La suite au film DBS Broly. Après, le Migaté va sûrement être mieux géré avec les autres ennemis, genre Freezer. Mais là, Amikai, vas-y, viens, on fait une comparaison. Goku Migaté, Vegeta Migaté. Performance de Goku Migaté. Il apparaît comme ça, direct devant Jiren. Boum, boum, boum. Un fight incroyable. Après, il le perd, certes. Mais quand même, il nous a offert un beau spectacle. Puis, contre Kefla, il te lâche le Kamehameha. Mais voilà, là, il dit les termes. Là, il dit, oui, Vegeta, Ultra Instinct, il pue la merde. Il pue la merde. Goku, Ultra Instinct, il est plus stylé.
Là, oui, c'est vrai. Et en plus, le pire, quand j'ai lu ce chapitre-là, il y a un mec au commentaire sur Manga Draft, il a dit, ce Vegeta-là, il est plus stylé que Goku Ultra Instinct. Mais dis gros, tu te fous de ma gueule. Alors, c'est son avis, hein, mais. T'es sérieux de ce que tu dis, hein? T'es sérieux, ce Vegeta-là? Ce Vegeta Ultra Instinct, il est plus stylé que Goku Autant du Pouvoir? Sérieux? Tu me défoncer comme une merde! Tu dis qu'il est plus stylé, mais. Mais t'es vrillot ou quoi? Ça va pas la tête? C'est son avis, hein? Voilà. Glisser. Pouah, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et Vegeta, performance? Zéro! Il a zéro performance en termes de prestation, il pue! Il pue! Voilà quoi. La perte de Vegeta. Bref. Allez gros, Même passe le sans... Mais oui, chapitre mais. frère. Là on reste sur leur couverture là. C'est Vegeta qui gagne, je pense. Mais niveau perf, 0 sur 10 la performance, franchement. Vas-y, passe au chapitre, on a compris, Vegeta c'est une merde, à Macron c'est une merde, voilà. Sans déconner. Putain de merde. Bon, moi je vous le dis en avance, hein. Le chapitre, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu avant d'aller dormir hier. J'ai lu le chapitre. J'ai eu mal au crâne durant tout le long. Je vous jure. Je vous jure. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, tu vas me dire, pourquoi tu fais une react si tu as déjà lu le chapitre? Je voulais juste. Parce qu'il y avait en live de Xelius. Donc, des fois, je suis toujours sur les lives de Xelius. Donc là, je suis pas là. Et j'ai envie de faire une vidéo réaction sur sa réaction au chapitre. Voilà. Et là, ce qu'il vient de dire là, je suis entièrement d'accord. Vegeta Ultra Instinct, il pue la merde. À Macron, il pue la merde. Et les autres puent la merde. Alors, l'histoire est très bien, hein. Mais en termes de puissance, ils sont tous OSEF. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est tellement le massacre était choquant que la transition, plutôt la transition, l'ultra instinct de Vegeta pour moi, c'est passé inaperçu quoi. Les choses sont plus subtiles, sois patient, vas-y. Goku est congelé, mais vas-y lui, c'est bon. Congelé, ça me fume comment tu l'as dit. Go, le prochain chapitre. Allez, frère, passe au chapitre. Passe au chapitre. Passe. Je suis sûr qu'il va s'énerver à la fin du chapitre. À la fin du chapitre, je vais pas trop vous spoil. On va voir après. Mais quand le dernier passe. Le dernier. La dernière page du chapitre. Enfin, pas la dernière page, mais avant la dernière page, j'ai pété un câble. J'ai dit. Furax pendant mon sommeil, je faisais des cauchemars. Je faisais des cauchemars. J'arrive pas à ça jusqu'à maintenant. J'arrive pas à sortir ça de ma tête. Tellement. Vous allez voir, vous allez voir. À la fin, c'est dramatique. Ok. Enfin, si la vidéo n'est pas en partie, on verra ça plus tard. Bref. Donc. Allez, frérot, lis le chapitre là. Lis le chapitre. Et on va voir sa réaction, gros. Goku, ça fait longtemps. C'est pas Goku, frère. Là, je suis parti un peu trop loin. Bordel de merde. Vas-y, let's go. Ah, il a écrasé le cœur Tu de Kaido. pour qui? Le rayon en cachait un deuxième. Oh non. Ok, tranquille, ça va. Bah voilà, elle s'est fait transpercer. Elle sera plus enceinte du coup. Non, ça se fait pas de dire ça. Putain. C'est fini, fais chier! Le désespoir dans vos regards, il n'y a plus aucune once de combativité, c'est pitoyable, vous me décevez! C'est pitoyable, c'est me décevez, mais espèce de fils de pute, tu t'es fait. Qui était là et t'es sur le point d'arriver, tu t'es chié dessus, tu t'es barré, pitoyable toi-même, sale merde. Bah. Oh! Ok? Vegeta? Quoi? Il pleure! Ok, vas-y Vegeta, Vegeta montre-nous. chiale. Let's go. Il lui a donné tout son ki en fait, le roi. Ben s'il est, ben s'il a donné tout son ki, il est mort. Hein. Normalement, si t'as plus de ki, t'es mort. Donc là, il est mort. Voilà. Let's go. Ma théorie s'est confirmée. Il est mort. Il est mort. Je dis qu'il allait crever. Non, je rigole. Il est pas mort. Ok. Vas-y, avance.
Mince, frère, on a compris, il y a des muscles. Oh, il est prêt, 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 il est prêt. Let's go. Il est go en Blue Evolution, là, non? Ouais, il va devenir Blue Evolution, frérot. Et les dessins, ils sont incroyables. Frérot, ça fait 3 ans qu'on sait déjà, c'est un bordel de merde. Putain. Je rigole, bien sûr, je rigole. Hein. Quand je dis des trucs comme ça, je rigole. Mais frérot, ça fait 3 ans qu'on sait qu'il dessine bien. Hein. T'as pas besoin de le rappeler à chaque fois. À un moment donné, ça devient saoulant. Hein, parce que quand un artiste dessine un dessin, à chaque fois, les gens, ils font « Waouh, truc de dingue, truc de fou, man, tu dessines trop bien, frère !» À un moment donné, l'artiste, il va s'en battre les steaks, à un moment donné. Parce que ça m'arrive des fois. Il y a quelqu'un qui arrive, ton dessin est trop joli, frère, ouais, machin. Je dis, ok, gros, mon dessin est joli, ok, d'accord, pas besoin de faire tout en plat, tu vois. Ça fait plusieurs mois qu'on me dit ça, hein, je commence à en avoir marre. Vous pouvez pas voir mon dessin tranquillement, dire que c'est joli normalement, dire que c'est, oh, c'est un truc de fou, arrêtez, c'est gênant. Enfin, gênant, je rigole. Mais à un moment donné, ça devient saoulant. On a compris, voilà. Bon, okay. Frère. Ok, attendez. On a compris que c'est Goku, on a compris que c'est Goku. Goku qui n'est pas là. C'est bien beau, hein. Je dis pas le contraire, mais la puissance de la merde. J'ai connu l'enfer, mais visiblement, toi non. Je compte bien t'en montrer un véritable aperçu. Let's go! Mais il est en quoi là? Il est en Blue Evolution ou en Migaté? Il est en Blue Evolution, en Mig. Le Migaté pue la merde, tu veux. Le Migaté pue la merde, tu penses qu'il va revenir en Migaté? Normalement, s'il pue la merde dans un niveau, il redevient pas avec le niveau d'avant. Il vient dans un autre niveau. Déjà, il a perdu avec l'Ultra Fraude. J'appelle ça l'Ultra Fraude, c'est pas l'Ultra Instinct. Il va pas se retransformer en Ultra Fraude pour battre Macron, hein. Non, il va passer à un autre niveau. Voilà. Ok, bon. Je pense qu'il est en Blue Evolution vu la cover. Mais dis, oui, mais Prince Trunks, c'était aigri. Non, je suis pas aigri, j'ai dit. Je suis pas aigri de Kakumai. Le problème, encore une fois, l'histoire est très bien. Il y a des histoires que j'ai bien aimées. Il y a Roi Sadala que j'aime bien. Il y a l'interaction avec Gohan et Pan que j'ai bien aimé aussi. Mais le problème que j'ai, moi, c'est la puissance, en fait. Et la puissance, c'est important. Ça veut pas dire que, ouais, il y a scénario, ouais, mais il y a une archi-puissance que tu dois respecter. Hein. Quand on parle de puissance, faut la respecter. Et moi, j'aime bien quand la puissance est respectée. Attention, quand je dis qu'un niveau de puissance n'est pas bon, je le dis. Hein. Je le dis, même si c'est canon ou pas canon, je le dis. Mais... que ce soit dans un fan de manga, que ce soit en fin de manga, je m'en fous. Si je dis que c'est mal branlé, si je dis que le niveau de puissance sont mal branlés, je le dis. Donc, respecte à un moment donné le niveau de puissance. Je veux pas dire que, ouais, il y a un scénario à suivre. Non, ta gueule. Gohan qui fait blesser Jiren, je dis, vas-y, non. Là, c'est n'importe quoi. Scénario et tout, ok, c'est bien, mais frérot, là, tu respectes pas le niveau de puissance, là, à ce moment-là. Ça veut dire que t'emmènes n'importe qui, s'il veut dépasser ses limites, il blesse Jiren. Non. T'envoies Maron, soit t'envoies Hercule, s'il a envie de blesser Jiren, il peut. Non, ça fonctionne pas comme ça. Quelle force mentale. Pour lui, sauver son Goku ne s'agit pas que d'une simple mission. Ok, le fight commence. Il commence, oui, let's go. Non, attendez, non, attendez. Ouais, voilà. Celle-là, j'aime bien. Avance, frère. 20 mètres. Allez, c'est bon. Let's go! Pia, coup de poing, là! Mais là, je vois ça, j'ai vu ça dans le chapitre. Je me dis, mais... Il s'est pris un coup. Et il a pas mal.
Un Macron se prend un coup, là il a mal, mais j'ai pas compris. Vegeta qui donnait un coup à Macron, Macron n'avait pas mal, à Macron donnait un coup à Vegeta avait mal, maintenant c'est Vegeta qui donne un coup, qui est moins fort, entre guillemets, normalement il est moins fort à ce moment-là. Il donne un coup à Macron il a mal, quand Macron donne un coup à Vegeta n'a pas mal. Je ne comprends plus rien. Venez m'expliquer. Bon, tu vas me dire, ouais, mais il dépasse ses limites, je m'en bats les steaks. Il a mis autre instant, il fait pas mal à Macron, là il dit non, c'est pas une bonne évolution, normalement moins fort, il fait mal à Macron. Enfin à Macron, pardon, les véritables à chier, voilà. Donc je comprends plus. Vegeta demeurait son destin. Let's go! Son Goku, c'est donc de lui que tu nous parlais, Vegeta? Que nous parlait Vegeta? Oui. Vegeta paraît souvent imperturbable, mais n'a qu'une seule envie, c'est de lui sauver la vie à son tour. Ah, mais non, non, il est mort. Mais non, je voulais pas voir ça. Bah tant mieux, personne ne l'aime de toute façon. En tout cas, ce Son Goku m'a beaucoup aidé aussi. Je rigole, je rigole. Mais en vrai, Kaba c'est une merde, on s'en fout un peu. De ce que j'ai pu voir, Vegeta lui est redevable depuis des années, même si j'ignore vraiment pourquoi. Ça fait une flash? Final Flash! Let's go! Enfoiré de mortel. Tu as une épaule perforée, de multiples fractures, et ton ki est presque épuisé. Ça devient théâtral. Comment tiens-tu encore debout? Quoi? Je te retourne la question. Il a tout gaspillé dans ce Final Flash. Quoi? Voilà qu'on arrive. Voilà qu'est-ce qui arrive quand on ouvre trop sa gueule. Et voilà. Donc bon, on va faire une partie 2 parce que là, oui. Non, Dario Mo, c'est la vie, hein. Sauf pas ça. Voilà, bref. Deuxième partie arrive. Ouais.